nous avons de fortes ambitions en matière de formation. On va vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez nous situer. Le groupe La Poste, c'est un peu plus de 5 millions d'heures de formation par an que nous distribuons. C'est 80% des postiers formés tous les ans. Tous les ans, 8 postiers sur 10 accèdent à la formation et c'est plus de 90% tous les 2 ans. Ça, c'est vraiment un objectif fort de notre accord et c'est quand même un taux qui est assez important et dont on est assez fier et auquel on travaille tous les jours. C'est aussi 255 millions d'euros de dépenses de formation par an, c'est-à-dire environ 4% de notre masse salariale. Donc pour répondre à ces besoins, notre direction de la formation groupe, on travaille à l'amélioration de la visibilité et de l'accessibilité d'une offre de formation unifiée, c'est-à-dire une offre pour tous les postiers. Et je vous rappelle qu'on est 250 000. Donc on a toujours ce souci de la masse et de l'accessibilité à des publics extrêmement différenciés. Entre un facteur et un conseiller financier, on n'est pas du tout sur le même type d'activité, pas le même type de poste de travail et pas du tout les mêmes questions d'accessibilité. Cette offre de formation, elle va se faire sur les domaines transverses. C'est-à-dire que nous œuvrons sur des domaines de compétences. On va parler de la bureautique de manière plus détaillée, mais les formations techniques métiers relèvent de nos business units sur leur cœur de métier. Et nous œuvrons sur les offres de formation transverses, disponibles et accessibles pour tous. L'idée est de faire converger des besoins, d'optimiser nos ressources, nos coûts, et de rendre toute cette offre disponible pour tous.